מתחילים עם ישראל חי בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות שלום וברכה את יזכול לשנים רבות נעימות וטובות רבותיי on se retrouve à l'issue de 52 jours où HaKadosh Baruch Hu il nous a accompagnés dans les moindres détails pour qu'on puisse traverser tous ces moments qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et ensuite, HaKadosh Baruch Hu il nous dit, allez, ça y est, je te lâche, à toi de te prendre en main, à toi, grâce à tes efforts, de poursuivre un petit peu dans l'élan que je t'ai tracé. Et donc, Rabotai, on raconte un beau machal d'un Ben Israël qui, le malheureux, avait énormément de maladies. Et pour chaque maladie, alors il prenait un médicament. Il avait un problème au cœur, lo aleinu, au poumon, à la tête, etc. Et pour chaque, encore une fois, il prenait un médicament. Et il a été voir son médecin et son médecin lui dit « Heureusement que tu es venu me voir car j'ai oublié de te dire, je vais m'absenter de la ville pendant 6 mois. Je devrais quitter pendant 6 mois. » Il lui dit « Mais moi, je ne peux pas faire sans vous. Comment, qui c'est qui va me prescrire les médicaments, etc. » Il dit « Non, ne t'en fais pas. Quand je quitte la ville, alors j'ai un médicament qui permet de guérir toutes les maladies. Un seul médicament. Et donc, écoute, pour l'instant, je te donnais des médicaments pour chaque maladie, mais là, je vais t'accorder ce médicament. Et donc, quand je reviendrai dans 6 mois, alors on reprendra encore par rapport à chaque maladie. » Et donc, Rabotai, bien sûr, c'est un machal, un nimshal. C'est le meilleur des médecins qui est nul autre que HaKadosh Baruch Hu, qui lui, alors, nous a permis pendant, encore une fois, ces 52 jours où on était à proximité avec Hachem, où on avait chacun des maladies. Chacun connaît ces maladies qu'il devait arranger. Et HaKadosh Baruch Hu, du fait qu'il était proche de nous, il nous accordait le médicament pour chacune d'entre elles. Mais à l'issue des 52 jours, encore une fois, HaKadosh Baruch Hu, il nous dit « Je vais quitter. » Je vais te quitter pendant 6 mois, jusqu'au prochain Hagim qui seront à Bezrat Hashem, à Pessah. Et donc pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc on se retourne vers Hashem, Hashem il te dit, mais non, je t'ai accordé le remède pour toutes les maladies qui est nul autre que HaTorah Kdosha. Et donc c'est ce qu'on a reçu à Simchat Torah, on a fait la fête. Cette Torah va nous accompagner pendant les 6 mois à venir, justement pour qu'on puisse goûter un petit peu à tous les problèmes qu'on a dans la vie vont disparaître grâce à cela. Et Rabotai, vous rappelez que pendant les Rosh Hashanot, avec les Arba Aminim, avec le Lulav, avec le Etrog, alors on arrivait et tous les jours on faisait le Hallel complet. Et pendant le Hallel complet, il y a deux phrases des plus importantes. On se retourne vers Hachem et on lui dit « Anna Hachem Hoshi'ana »« S'il te plaît Hachem, délivre-nous » Et ensuite « Anna Hachem Hatzlihana »« Sauve-nous » Comment se fait-il que c'est uniquement dans la première phrase « Hoshi'ana » qu'on va commencer à bouger les Arba Aminim et on s'arrête lorsqu'on arrive à « Hatzlihana » Écoutez bien la réponse, le chidouche que j'ai entendu d'un grand Rav qui s'appelle nul autre que Rav Reuven Elbaz, Shalita, qui habite aujourd'hui à Yerushalayim. Alors il nous a transmis un secret. Lorsqu'on se retourne vers Hachem et qu'on lui demande « Hoshi'ana, délivre-nous, on a besoin de la délivrance », alors là on se doit de prendre les Arba Aminim et de les bouger de tous les côtés parce qu'on a besoin de l'aide du ciel spécial. Et HaKadosh Baruch Hu, délivre-nous. Mais lorsque on arrive à Hatzlichana, sauve-nous, alors il faut réaliser que l'Hatzlacha, alors elle ne dépend pas de nous. Chacun d'entre nous, alors on a envie de traduire l'Hatzlacha, la réussite, dans notre vie comme nous on l'entend. On aimerait tant et tant de Parnassa, tel et tel zivouk, tel et tel travail, etc. Et HaKadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, arrête-toi. Montre à Hachem combien tu lui fais confiance. Montre à Hachem combien la Hatzlacha, la réelle Hatzlacha, c'est celle que HaKadosh Baruch Hu, il a décidé pour toi. C'est la raison pour laquelle dans Anna Hachem Hatzlihana, on s'arrête, on reste immobile. Parce que la vraie Hatzlacha, c'est celle que HaKadosh Baruch Hu a décidé pour chacun d'entre nous. Et donc, Rabotai, ça me pousse à
cette belle paracha de Parashat Bereshit. Comme on le sait, Parashat Bereshit commence par la création du monde. Mais nous, on va s'arrêter plutôt sur la création de l'homme, qui est l'acteur principal. Et donc, la Torah nous enseigne « Vayomer Elohim na'ase Adam betzalmenu kidmutenu » Faisons l'homme betzalmenu, donc comme notre image, kidmutenu veidgu, bidgat hayam, uv'of ha-shamayim uv'abehema, uv'chol ha-aretz, uv'chol ha-remes ha-remes al ha-aretz. Et donc ici, on va s'arrêter sur le verbe que HaKadosh Baruch Hu a employé. Hachem a dit, na'ase Adam, faisons l'homme. À notre image, bien sûr. Mais il a employé le terme au pluriel. Que veut dire faisons? Comme si HaKadosh Baruch Hu, il parlait avec quelqu'un ou bien il a demandé conseil à quelqu'un. Rashi nous dit, anvetanuto shel HaKadosh Baruch Hu lamadnu mikan. De là, on apprend la mida de anava, de modestie que HaKadosh Baruch Hu il a. Pourquoi? Les fiches à Adam bidmut amalachim veitkan ubo. Du fait que l'homme, il ressemble aux malachim, aux anges, et les anges vont le jalouser. Les fikach nimlach bahem. C'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu il s'est concerté avec les anges pour ne pas qu'ils se sentent rabaissés. Et lorsque justement il vient pour construire l'homme, créer l'homme, alors il va se tourner vers les anges, vers sa famille pour demander conseil. Regardez le prochain pérouche de Rashi. Afalpi, Shelo, Siyu, Beitirato, bien que les anges n'ont pas aidé Hachem dans la création de l'homme. Bien sûr que Hachem n'avait pas besoin ni de se concerter, ni de demander conseil aux anges. Veyesh makom la pikorsim nirdot. Mais du fait que Hachem s'est adressé dans la Torah au pluriel, quand il a dit na'ase Adam, alors il pourrait ouvrir une porte aux apikorsim, à ceux qui veulent remettre en question la Torah. Du fait qu'il a employé le terme au pluriel, na'ase, alors ça fait référence peut-être à plusieurs divinités, chas v'shalom, qui ont créé cet homme. Lo nimna akatuv. Le verset ne s'est pas empêché de parler au pluriel. Et pourquoi? Milelamed derech eretz midat anava. Pour nous enseigner derech eretz et surtout la mida de anava, de modestie. Sheyehe hagadon nimlach venotel reshut minakatan. Pour que le grand, il se retourne vers le petit et qu'il lui demande conseil. C'est qui le grand? C'est nul autre que HaKadosh Baruch Hu qui va demander conseil aux anges. Bien sûr, c'est une image, mais Hachem, il a préféré nous enseigner la Mida de Hanava ici, justement parce que c'est tellement précieux, c'est tellement important que même s'il y en a qui pourraient se tromper et de commencer à réfléchir, Na'asé au pluriel, donc plusieurs divinités, HaKadosh Baruch Hu, il dit, mais non, je préfère t'enseigner d'abord la chose la plus importante, quitte même à ce qu'il y en ait qui pourraient se tromper. Et on pose la question, on dit, mais HaKadosh Baruch Hu, tu as choisi uniquement cet endroit pour nous enseigner Midat Derech Eretz ou Midat Anava, la mesure de modestie. Tu as quelque part pris l'occasion de mettre en danger ce qu'on a de plus cher, nous les Béné Israël, qui est la Emouna. Pourquoi est-ce que tu vas remettre en question alors certains qui pourraient se poser la question, il y a plusieurs divinités parce que Hachem il a parlé au pluriel. Parle au singulier et enseigne-nous la Midat Anava, ou bien parle au pluriel comme tu as voulu le faire ici et enseigne-nous la Midat de Anava dans un autre endroit. Est-ce qu'il en manque des adresses dans la Torah où on aurait pu parler de la Midat de Anava? Attends d'arriver à Noach, à Avraham Avinu, et parle-nous de la Anava là-bas. Pourquoi est-ce que tu as choisi ici, lorsque tu parles de la création de l'homme, pour parler au pluriel et peut-être mettre en question la chose qui est la plus précieuse pour nous, qui est la Emouna? Et sur cela, Rabotai, il y a les belles paroles du Talmid du Chafetz Chaim qui s'appelle Ravel Hanan Wasserman dans son livre Kovetz Ma'amarim. Il pose une question, il dit, comment se fait-il que HaKadosh Baruch Hu, il est accordé une mitzvah aussi grande que celle de la Emouna, à qui?
à tout enfant à l'âge de 13 ans et un jour pour un garçon, 12 ans et un jour pour une fille, à ce moment-là, ils doivent prendre sur eux toutes les mitzvot de la Torah et parmi elles, la mitzvah de Emouna. Comment est-ce qu'on peut attendre une chose aussi grandiose d'un enfant, puisque même un philosophe parmi les plus grands de tous les temps, qui s'appelait nul autre que Aristote, sur lequel le Rambam il témoigne, que Aristote était arrivé grâce à son intelligence juste au niveau de la prophétie. Donc, et on voit que Aristote n'avait pas atteint un niveau de Emouna, puisqu'on le retrouve dans beaucoup d'endroits où il montrait justement qu'il avait des midot qui montraient qu'il n'avait pas la Emouna. Donc Aristote, qui n'avait pas la Emouna et qui était arrivé grâce à son intelligence tout près même de la prophétie, n'était pas arrivé à ce niveau, et on demande à des enfants d'atteindre un tel niveau. Et donc Rabotai, il faut réaliser que celui qui veut croire en Hachem, celui qui veut atteindre le niveau de Emouna, c'est uniquement grâce à sa anava, à sa modestie, qu'il pourrait y arriver. Vous savez, on n'a pas besoin de monter sur la lune pour essayer de découvrir la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, elle est inscrite dans toute la nature, dans toutes les créations que Hachem il a créées. Un des plus grands rabbanim, le Rav Shach Zatzal, dans la prestigieuse yeshiva de Poniovitch, il arrivait devant les élèves et leur dit: Rabotai, dites-moi la vérité. Quelle est la couleur de cette orange? Il venait devant les élèves avec une orange. Quelle est la couleur de cette orange? Et surtout, ne me dites pas qu'elle est orange. Pourquoi? Parce que la majorité de la vie de l'orange, elle est verte. Et c'est uniquement lorsque elle devient mûre, elle appelle l'homme, à ce moment-là où il peut la manger, elle change de couleur, elle devient orange. Et il dit: mais regardez la précision de chaque chose dans la création. Lorsque vous prenez l'orange, alors on a dit, elle était verte. Elle a changé de couleur pour que l'homme, il réalise qu'à ce moment-là, il peut l'accueillir et pouvoir en profiter. Akadosh Baruch Hu, il a conçu l'orange avec quoi? Avec une écorce. Une écorce qui va protéger le fruit des ronces, qui va protéger le fruit lui-même à l'intérieur, et une écorce qui s'enlève assez facilement. Une fois qu'on a retiré l'écorce, alors imaginez que si le fruit était entier, en un seul morceau, on l'aurait mis dans la bouche et on aurait éclaboussé sur tout le monde. Qu'est-ce que Abba Kadosh Baruch Hu il a fait? Il a créé sa nature tellement bien organisé que il y a des quartiers d'oranges qui sont juxtaposés les unes à côté des autres. Et prenez chaque quartier, alors vous allez voir qu'il y a une fine pellicule qui va protéger justement le quartier pour pouvoir le prendre et le mettre dans la bouche. Si vous enlevez cette fine pellicule, à l'intérieur, il y a des petites bouteilles de Tropicana d'orange. Chaque quartier avec sa petite bouteille. Et à l'intérieur de l'orange, il y a aussi 3 ou 4 noyaux pépins. À l'intérieur de ces pépins, il y a l'information de tout ce que l'orange aura besoin. Il y aura des branches qui vont donner des feuilles vertes, qui vont donner des oranges vertes, qui vont changer de couleur, qui vont devenir oranges, qui auront des écorces, avec des quartiers, avec des fines pellicules. Rabotai, celui qui ne voit pas la signature d'Hachem au travers de la nature et qui n'arrive pas à se faire petit par la anava qu'il devrait ressentir à l'intérieur de lui, alors bien sûr, il va peut-être lire le verset Naasé au pluriel, et donc il y a plusieurs divinités. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas voulu nous tromper. La preuve en est, c'est que le verset qui suit, alors il est écrit « Vaivra Elohim et Adam Betsalmo ». Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est pas marqué « Vaivreu » au pluriel, c'est marqué « Vaivra ». Celui qui veut voir la réponse, elle est là, juste devant lui. Mais celui qui cherche à se poser les questions, c'est celui qui n'a pas atteint ce niveau de Anava. Sa Gaava, ses mauvaises midot vont l'empêcher de voir la vérité. C'est ça la différence qu'il y a entre Aristote et un enfant. On n'a jamais vu un petit enfant
au Talmud Torah, quand on va lire ce verset, Naase Adam, l'enfant, il lève le doigt. Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est au pluriel, donc il y a plusieurs divinités. Pourquoi l'enfant ne pose pas ce genre de questions? Uniquement parce qu'un enfant, il est complètement rempli de Hanava. Il n'a pas de Gaava. C'est lorsqu'on grandit qu'on a envie de prendre sa place, qu'on a envie de s'affirmer, que la Gaava, elle arrive doucement, doucement. Mais quand on est petit, on est Hanav. Et donc, on comprend les versets comme on doit les comprendre. Et donc, Rabotai, c'est ça un petit peu le sujet. Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Hachem? Il nous dit, je t'ai donné, je t'ai accordé des yeux, une bouche, des mains, des pieds, une intelligence, une beauté. Naase Adam, faisons l'homme. Toi et moi, on s'associe pour créer l'homme. L'homme, il a besoin justement de se prendre en main, d'écouter la voix d'Hachem qui lui conseille au travers de la Torah et de se construire pour devenir Adam. C'est ça, Adam. Adam, c'est le projet par excellence que HaKadosh Baruch Hu, il avait sur terre, à condition que ce Adam, il puisse se prendre en main. Et donc, Rabotai, ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est que lorsque on s'imagine que HaKadosh Baruch Hu nous a accordé une Torah, Hachem, c'est l'être par excellence de perfection. On s'imagine que lorsque il va nous livrer sa Torah, alors sa Torah, elle sera complètement parfaite. Or, Hachem nous a transmis une Torah sur laquelle il y a combien et combien d'imperfections. Et donc, regardez bien, suivez bien. Au début, HaKadosh Baruch Hu, il dit, je veux créer le monde, mais j'aimerais le créer par Midat Hadin, que ce monde, il soit régi par la mesure du din, de la rigueur. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ce monde ne pouvait pas subsister ainsi, et donc il lui a associé Midat Harachamim. Mais HaKadosh Baruch Hu, toi tu sais tout à l'avance. Tu aurais dû créer directement ce monde par Midat Harachamim. Pourquoi tu as commencé par le créer par Midat Hadin et tu as vu que ça ne marcherait pas, donc tu lui as associé Midat Harachamim? Crée-le directement de la bonne façon. Autre chose, on voit que Hachem, lorsqu'il va créer la nature, il a demandé aux arbres fruitiers de donner des fruits, qui veut dire « Aetz peri, ose peri, lemino ». Il fallait que le tronc, il ait le goût du fruit et qu'il puisse aussi donner des fruits. Or, la nature a, quelque part, a déjoué la parole d'Hachem et n'a pas respecté la parole d'Hachem. Finalement, c'est marqué « Aetz ose peri, lemino ». La nature, elle a donné des fruits, mais l'arbre lui-même n'a pas écouté la voix d'Hachem, que l'arbre lui-même devait avoir aussi le goût du fruit. On voit par la suite que lorsque Hachem va punir l'homme lorsqu'il aura fauté, alors il choisira aussi de donner la punition à la terre en même temps. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce moment-là? On le verra par la suite, peut-être. Mais tout ça pour dire que la terre a été punie parce qu'elle n'a pas su écouter la voix d'Hachem. Ensuite, HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le sixième jour. Et il a créé l'homme à la sixième heure du sixième jour. Et il l'a mis dans le Gan Eden. Et à la neuvième heure, alors c'était à ce moment-là qu'on allait rentrer dans le Shabbat. Et juste pendant ce temps, alors l'homme a, quelque part, n'a pas écouté la voix d'Hachem et a fauté. Avant d'arriver à la faute de l'homme, HaKadosh Baruch Hu dit « Lotov heyot ha'adam nevado et aise lo ezer kenegdo ». L'homme, ce n'est pas bien qu'il soit créé tout seul, on va lui associer à ezer, on va lui donner une femme. Mais Hachem, encore une fois, toi tu connais tout, tu aurais dû créer l'homme directement avec cette femme. Pourquoi tu l'as créé tout seul? Pour dire que ce n'est pas bien de l'avoir créé tout seul et de lui associer une femme? Tu aurais dû lui associer cette femme depuis le départ. Et ensuite, tu as demandé à cet homme une seule chose. Tout appartient dans le Gan Eden. Il y a une seule chose que tu ne goûteras pas, c'est des fruits de cet arbre. Et il a été, et il a échoué, il a goûté. Et donc, encore une fois, combien de successions de choses qui ont échoué à la voix d'Hachem. Jusqu'à par la suite, bien sûr, il y a eu Caïn
qui a fini par tuer son frère Hevel, où Hachem il est venu lui faire le reproche. Ayeka, où tu es? Et il est où ton frère? Et donc il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais Caïn, à qui tu parles? Tu parles à Hachem. Et donc tu oses dire, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas où est-ce qu'il est, etc. Mais on ne peut pas imaginer une chose pareille. Et donc combien et combien de choses rabotaillent encore une fois, où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans cette Torah? Elle aurait dû être beaucoup plus parfaite. Et donc c'est ça ce que Hachem nous enseigne. Rabotaille, un des défauts que l'homme il a, c'est qu'il a besoin de voir la perfection, d'atteindre le niveau de perfection. Pendant que Hachem il te dit, mais non, si je voulais que ce monde soit parfait, alors j'aurais commencé Bereshit par nul autre que Avraham Avinu. Avraham Avinu qui lui a été à l'encontre de toutes les bêtises de ce monde-ci pour montrer à ce monde, pour éduquer ce monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Akadosh Baruch Hu. Tu aurais créé Bereshit par qui? Par Avraham. Mais je n'ai pas créé justement ce Bereshit par Avraham pour te laisser la place à toi l'homme. Je t'ai créé et je t'ai créé avec tes faiblesses. Je t'ai créé avec ton Yetzer Hara. Je t'ai créé quelque part avec tes imperfections et je t'ai accordé la place de pouvoir te parfaire, de pouvoir changer et de t'améliorer. Si j'aurais voulu créer un monde parfait, tu n'aurais pas trouvé ta place. Et donc quelque part, ça nous pousse à la réflexion rabotaille, qu'on se doit de réaliser qu'Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on puisse décoder son message, qu'on arrive à trouver notre place et qu'on réalise qu'on est sur terre et qu'on accepte nos défauts, qu'on accepte nos faiblesses et que, Bezrat Hashem, plus on travaille, plus on atteindra un niveau de perfection dans tel et tel domaine, dans telle et telle chose. Mais quelqu'un qui ne réalise pas qu'il a des faiblesses et qu'il visait que tout aille de manière parfaite dans sa vie, alors il ne pourra que goûter justement à l'échec parce qu'il va réaliser avec le temps qu'il n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ne t'en fais pas. Hachem t'a mis dans ce monde, un monde qu'on va appeler Bediavad, a posteriori, pour justement t'accorder ta place et te permettre de te parfaire et de t'arranger. Rabotaille, encore une fois, toutes ces belles choses pour nous permettre de réaliser qu'est-ce qu'on devrait prendre sur nous pour nous construire. Shabbat shalom les kulchem. Baruch Hu shomer aleinu, az mi yachol aleinu.